Nicolas Clément, bonjour. Nous sommes lundi à 5-6 jours du prix du Jockey Club. Vous allez avoir un partant dans la grande course. Pouvez-vous nous en dire un petit mot? Oui, on a décidé de tenter le coup dans le Jockey Club. Le poulain vient de très bien courir dans la poule d'essai. On essaie la distance de 2100 mètres. Je pense qu'il a une bonne chance. Il faut qu'il tienne maintenant, mais il a une bonne préparation. Vous pensez qu'il a fait des progrès depuis sa dernière course? Il semble qu'il se soit bien resserré et le cheval devient vraiment pro. Donc il a monté beaucoup entre le prix de Fontainebleau et la poule d'essai. S'il a monté autant entre la poule d'essai et le Jockey Club, je pense que ça peut être un poulain qui a une bonne chance. L'année dernière, il avait déjà montré pas mal de capacités. Oui, l'année dernière, il avait gagné sa listade. Il est placé le groupe 1 pas loin d'Ecto, qui est quand même la référence. Donc je pense que c'est un des 4-5 meilleurs poulains de la génération. Et avec un petit peu de réussite, et s'il est bien le jour J, on a le bon espoir qu'il puisse faire l'arrivée. Au point de vue, vous en avez parlé, de la distance, c'est peut-être un petit point d'interrogation quand même, vu son pedigree qui est plutôt pour le mile, a priori. Oui, hors peine et une mère sprinteuse, 2100, c'est le bout du monde. Mais il a le profil d'un cheval qui peut s'économiser dans un parcours aussi. Et il est assez maniable, donc je pense que c'est un pari qui est sympa à tenter. Oui, il a l'air très calme et on peut en faire ce qu'on veut pendant une course. C'est, je suppose que Thierry Tilluez qui va le monter comme d'habitude. Tout à fait, et c'est un gros atout, comme vous avez dit, d'être un cheval avec un très bon mental pour le défilé et puis même pour le déroulement de la course. C'est un cheval, on peut le mettre un peu où on veut. Et une course 20 partants, c'est quand même un grand bonus. Il y a Cara Conti, mais enfin Cara Conti, l'autre jour, on l'a quand même accroché. Et puis ce cheval de Rouget qui a gagné les greffuges, Prince Gibraltar, qui était assez impressionnant. Mais il n'y a pas d'épouvantail et épouvantail. Il y a ces deux chevaux-là dont je vous ai parlé, mais c'est pas, ils n'ont pas gagné non plus à de 10 longueurs à chaque fois. Mais puis des prix du Jockey Club, il n'y en a qu'un. Si on ne court pas, ben on est sûr de ne pas gagner, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puis on y va, on y croit, on y va avec des prétentions. Et puis c'est le Jockey Club, ça fait plaisir aux clients. Et puis je pense que c'est un bon challenger. Vous aurez d'autres partants donc dimanche dans d'autres grandes courses, notamment dans le Grand Prix de Chantilly, un week-end qui est le tenant du titre. Comment ça se présente? Bah oui, on pense le courir de nouveau. J'espère que le terrain ne va pas être trop souple. Je pense que c'est un cheval de bon terrain. Il reste sur une course en demi-teinte à Dubaï où ça s'est mal passé. Il n'a jamais eu le passage, mais le cheval à entraînement, il a l'air très bien, il a retrouvé son poids de forme et puis on est assez confiant parce qu'il aime bien la piste et je pense qu'il peut, il peut être à l'arrivée encore. Est-ce que c'est, on peut dire que c'est un cheval qui vous a un peu déçu parce qu'on avait des plus grandes prétentions pour lui? Moi je pensais que ça allait être vraiment un cheval de très très haut niveau au départ de sa queue, enfin, quand il a commencé à progresser, à gagner des courses. C'est un très bon cheval de groupe 2. Il l'a montré, mais groupe 1 contre les meilleurs, il est un peu en dessous. Donc je me satisferais bien d'en avoir 5 autres comme lui. Donc, mais c'est pas un cheval pour la rue Triomphe, mais c'est Grand Prix de Chantilly, groupe 2, ou voyager en Amérique. Dans les groupes 1, c'est très bien. Yeah.